Salut à toutes et à tous, cette semaine on va s'intéresser à la société Valve Corporation en revenant sur plusieurs événements qui ont marqué l'entreprise ainsi que l'industrie vidéoludique. On connaît souvent Valve par le fait qu'ils ont créé la plateforme de distribution Steam, mais il faut savoir que Valve Corporation était et est encore un concepteur de jeux vidéo, principalement des FPS, avec des licences très connues. Tout commence en 1996 quand Valve Corporation est créé par Mike Harrington et Gabe Newell. Ces deux-là ont quitté Microsoft après avoir passé 13 ans dans l'entreprise. Ils auront d'ailleurs participé à la création de Windows au début des années 90. Après la revente de leur stock option, ils décident de créer Valve afin de développer un jeu vidéo. Deux ans plus tard, fin 1998, Half-Life sort et connaîtra un immense succès. 9 millions de copies seront vendues au total, un des FPS les plus marquants de tous les temps, récoltant même un 96% sur Metacritic. Très amis avec Michael Abrash de la société ID Software, créateur de Doom et de Quake, les deux fondateurs de Valve vont utiliser le Quake Engine comme moteur de jeu en le modifiant énormément, environ 70%, et le renommeront le Gold Source qui leur servira par la suite pour créer de nombreux autres jeux. Valve Corporation, dès leur premier jeu, entre avec fracas dans l'industrie vidéoludique. C'est ainsi qu'en 1999, ils lanceront Team Fortress Classic, qui est en fait un mode multijoueur pour Half-Life, qui permet aux joueurs et à leur clan de se confronter sur Internet de différentes façons, comme la capture de drapeaux, l'escorte d'un VIP ou le contrôle d'un territoire. S'ensuit en 2000 la création de Counter-Strike, qui encore une fois est une modification complète du jeu Half-Life, utilisant de fait le Gold Source. 10 ans après sa sortie, Counter-Strike restait un des jeux de tir subjectifs les plus joués en ligne, encore donc un succès pour Valve Corporation. Alors Valve Corporation ne sont en fait pas toujours les vrais créateurs de ces licences qui deviendront de gros succès. En effet, pour Counter-Strike par exemple, il s'agit de deux concepteurs de mode de Quake 2 qui veulent proposer gratuitement un nouveau mode. Alors quand Half-Life sort, il est accompagné d'un kit de développement permettant la création de cartes, de décors et de personnages. Petit à petit, après quelques mois de création, de programmation, de mise à jour et de présence en ligne, le jeu, enfin le mode, commence à être connu sur Internet bien plus que d'autres jeux très commerciaux. Valve propose alors d'acheter les droits et renomme le jeu Half-Life Counter-Strike, l'équipe de développement est embauchée et le jeu sort en 2000 gratuitement à condition de posséder Half-Life. A l'époque, la possibilité de jouer en ligne se fait grâce au WON, le World Opponent Network, mis en place par Sierra Games, Sierra étant l'éditeur principal des jeux de Valve Corporation. Ce service WON sera abandonné d'ailleurs en 2004, mais on va y revenir un petit peu plus tard. Valve prend donc l'habitude de construire ses licences à partir de mods développés par d'autres gens, souvent en utilisant le Gold Source, leur moteur de jeu disponible gratuitement. Ce sera le cas pour le jeu Day of Defeat, un FPS multijoueur dérivé de la partie multijoueur de Half-Life, développé par des bénévoles et donc repris par Valve pour en faire un jeu complet. Fort de ses succès, Valve sortira Half-Life 2 en 2004, qui connaîtra pendant 3 ans de nombreuses extensions, un jeu très attendu qui aura le succès escompté, pas moins de 39 récompenses de jeu de l'année pour Half-Life 2, qui utilisera le nouveau moteur de jeu de Valve nommé Source. On continue sur le chapitre des jeux estampillés Valve, avec en 2007 la sortie de Portal, un FPS réflexion, qui marquera de nombreux joueurs. C'est en 2005 que des étudiants du DigiPen Institute of Technology développent un jeu nommé Narbacular Drop. Valve décide d'embaucher l'équipe, de recruter d'autres personnes pour concevoir un jeu complet empruntant les éléments de Narbacular Drop. Aidé par le scénariste Mark Ledlow, celui qui a déjà scénarisé Half-Life, le projet Portal mettra 2 ans avant de sortir, le concept est innovant et le jeu obtient encore une fois un excellent succès critique et commercial. Turtle Rock Studio, fondé en 2002, a pas mal contribué en externe au développement de Counter-Strike et de ses extensions. Début 2008, Valve Corporation rachète Turtle Rock, qui travaille sur un projet de jeu. Fin 2008, la filiale de Valve sort Left 4 Dead, une nouvelle licence FPS de type survival, se passant aux États-Unis en proie à une épidémie d'un étrange virus, un jeu bien sanglant qui connaîtra une suite dès 2009. Alors je n'ai pas mentionné Team Fortress 2 qui sortira en 2007, le jeu n'est ici plus un mode tiré de Quake, mais possède un univers délirant, graphisme plutôt cartoon, un jeu complètement différent du Team Fortress classique. Il s'agissait en fait au début d'un jeu complet sur PC, mais Valve décide de le passer en free-to-play en 2011. Portal 2 sortira également en 2011, reprenant le principe du premier opus, en rajoutant quelques fonctionnalités comme les rayons tracteurs, la réflexion des lasers, les ponts en lumière et les gels permettant d'accélérer la vitesse du joueur. Le jeu se vendra à plus de 4 millions d'unités.
Alors on voit que Valve a pris l'habitude d'arrêter ses licences au deuxième épisode, hein, Half-Life, Left 4 Dead, Team Fortress et Portal. Dans tout le tas, c'est quand même Half-Life 3 qui est le plus attendu en ce moment, puisqu'un Source Engine numéro 2 est apparemment en cours de conception chez Valve. Dota 2 est également un jeu développé par Valve, même s'ils n'ont pas conçu le premier. En effet, Dota 1 est un mode du jeu Warcraft 3, Reign of Chaos, créé par un modeur indépendant. Valve, qui avait embauché ce modeur, voulait créer un jeu complet, un nouveau jeu, mais lors du développement, il y eut plusieurs problèmes de droits d'auteur. Blizzard, créateur de Warcraft, Riot, créateur de League of Legends, et Valve se battaient pour le nom de Dota. Ce fut finalement Valve qui l'emporta, mais durent changer les apparences des personnages et les noms à cause de Blizzard. Le jeu Dota 2, ce MOBA extrêmement populaire aujourd'hui, sorti en 2013 après 2 ans de bêta, propose aujourd'hui un tournoi mondial rapportant des millions de dollars aux gagnants. Voilà un petit peu comment Valve a su se faire un nom rapidement dans la conception de jeux vidéo. J'en ai oublié quelques-uns, tous quasiment sont des FPS. Je n'ai pas mentionné Alien Swarm, un jeu de tir à la troisième personne, se rapprochant plutôt des shoots 'em up, mais utilisant quand même le Source Engine. Mais Valve Corporation, ce n'est pas seulement des jeux vidéo, c'est bien évidemment Steam, la plateforme de contenu la plus populaire actuellement. Alors l'idée de Steam est née en 2002, présentée comme un système permettant de simplifier la diffusion de contenu avec l'automatisation des mises à jour des jeux vidéo, enfin au début surtout pour Counter-Strike. Steam a aussi été conçu pour remplacer le système multijoueur de Half-Life, One, dont j'ai parlé précédemment, afin d'assurer une certaine indépendance de Valve par rapport à son éditeur d'alors, Sierra. Steam est lancé en version finale fin 2003 et connaît une surcharge des serveurs rapidement à cause de Counter-Strike. Half-Life 2 sera le premier jeu commercial à utiliser exclusivement Steam pour fonctionner, il fallait donc un compte Steam pour activer le jeu. Half-Life s'est vendu à 12 millions de copies, ce qui fait déjà 12 millions d'utilisateurs Steam. C'est en 2005 que les premiers jeux tiers sont commercialisés sur Steam, et son ascension fut de plus en plus rapide en tant que plateforme de distribution dématérialisée de jeux sur PC. Aujourd'hui, Steam attire quasiment tous les éditeurs ainsi que les développeurs indépendants qui veulent réduire leurs coûts de fabrication et de distribution et surtout gagner en visibilité. Alors en visibilité, c'est pas sûr, hein, puisque Steam compte aujourd'hui plus de 3500 jeux et 75 millions d'utilisateurs. Un catalogue donc très impressionnant avec des soldes réguliers ainsi que des promotions et un aspect communautaire assez important. Steam, c'est aussi un marché virtuel avec l'achat et la revente d'objets concernant uniquement les jeux conçus par Valve. C'est également un service de streaming depuis peu afin de concurrencer le site Twitch, et prochainement Valve mettra sur le marché des Steambox en 2015 probablement, un genre d'hybride console PC afin de récupérer les joueurs console vers le marché de Steam. Jusqu'après que Gabe Newell, fondateur de Valve, ait largement critiqué la difficulté de programmer sur la PlayStation 3 et que Windows 8 est pour lui une catastrophe, Valve a donc créé son propre système d'exploitation, le SteamOS. Pour finir, après avoir commencé dans la conception de jeux vidéo en créant des licences mondialement connues, Valve Corporation et son fondateur Gabe Newell s'est saisir toutes les opportunités pour faire évoluer son entreprise et surtout diversifier son activité dans le monde des jeux vidéo. Après Steam, les Steambox, le streaming Steam, ainsi que les troisièmes opus de quelques-unes de ses licences phares qui sont tant attendues, Valve Corporation a donc encore beaucoup d'atouts pour perdurer dans l'industrie vidéoludique. Voilà, ainsi s'achève cette chronique sur Valve Corporation, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo si vous avez apprécié. Et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine chronique. Ciao !